Une longue touche qui est... C'était pas mal fait dans l'esprit. Il n'y a pas grand chose à faire de mieux. Zanoun vers l'entrant qui perd son premier duel face à Alipin. Il a un peu de chance, Yanila. Avec sa patte droite, il peut trouver une solution. Et oui. Avec Gila Vogui près de lui, il va préférer le centre. Attention à Guidi à ne pas faire de faute dans la surface de réparation. Gila Vogui, non, c'est joué trop vite. Et la bonne sortie de balle. Avec le bon jaillissement de Lipini, il y a peut-être une faute, non. Ça sera une nouvelle touche pour Yanis, Zouaou. Allez, Lipini qui ne s'embarrasse pas. Et encore, Philippi qui est partout. Alors, il n'y a pas faute d'Endoy. Hein. Je pense que s'il y a faute, c'est de Pierazzi. C'est joué rapidement avec Rier. La feinte, l'enchaînement. Et il en a un peu rajouté. Il défend bien, Philippi. Il y a un 2 contre 1 joué avec Gila Vogui sur le côté droit. Pour la frappe de guerre, l'arrêt impeccable. Gila Vogui et le retour exceptionnel de Lipini. Faire soigner. Allez, Fall avec l'accélération et encore Philippi. Et à croire qu'ils sont deux sur le terrain, c'est. Est-ce qu'il va permettre d'obtenir la touche? Non, la touche sera pour le SC Toulon. On va chercher Ryan Rier, ballon perdu. Pietchoki qui dévie involontairement ce ballon du dos. Allez, peut-être une dernière opportunité ici avec Benard, Verkiei.